Je vous en prie avec Henri Dreyfus. La croissance au plus haut depuis 6 ans en France, le moteur de l'économie s'est remis en marche. Mais François-Xavier Pietri nous expliquera que ça ne signifie pas une baisse rapide du chômage. La grève très suivie des personnels de maisons de retraite, nos reporters ont pu finir. Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce call au Zoom gratuit pour The Magic of Embodiment, la voix de ton corps. Ce sont des classes, des soirées et des journées, des classes corps que je vais donner en Europe, donc aussi en France et en Belgique, Bruxelles, Namur et Nantes. Lyon et ou d'autres, Lille aussi. Donc, on s'est dit, on va faire un petit zoom pour en parler, pour donner plus d'informations. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Access Consciousness. Moi, je suis Yasodhara Romero Fernandez, facilitatrice d'Access. Et cette tournée, la magie d'être dans ton corps, ici, sur la planète, je l'ai créée parce qu'il y a tellement de magie qui est possible avec le corps, en donnant des processus, mais aussi pour ton corps toi-même. Et en donnant des classes, de voir la contribution des processus et de voir quoi d'autre est possible quand tu commences à vraiment écouter ton corps, écouter les possibilités qu'il est prêt à te donner. Souvent, quand tu commences à poser des questions et à être prêt à la co-création avec ton corps. Donc, combien d'entre vous posez des questions à votre corps pour recevoir des réponses ou des solutions? Et combien d'entre vous posez des questions à votre corps pour recevoir des prises de conscience et des possibilités pour créer tout dans votre vie? Je vois quelques fronfrons. Moi, Isabelle dit, yes. Donc, quand tu commences à demander à ton corps ce qu'il sait sur toi, ce qu'il sait sur les choses que tu fais, sur les choses que tu aimerais avoir, que tu aimerais créer, est-ce que ça créerait une possibilité différente? Et comment est-ce que tu peux savoir? Tu peux juste te poser la question maintenant aussi en toi-même, donc dans ta tête. Corps, qu'est-ce que tu sais sur moi? Qu'est-ce que tu sais sur nous? Et qu'est-ce que ton corps est capable de créer, de faire et d'être que tu ne lui as jamais demandé? Ha ha ha! Yeah. Donc quoi, si poser des questions, pas pour les réponses, mais vraiment pour qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce qui est possible avec toi, corps, que je ne t'ai jamais demandé? Quoi si ça va ouvrir des portes et la magie et des possibilités? Alors, coucou Ansar, je ne peux pas te muter, donc est-ce que toi, tu peux le faire pour toi-même? Qu'est-ce qu'elle a fait? Yeah. Donc là, c'est vraiment ouvrir les portes quand tu travailles aussi sur des autres corps. Je ne sais pas si vous donnez des barres, si vous donnez déjà des processus corporels. Est-ce que tu demandes au corps? Comment est-ce que tu aimes être touché? Quel espace est-ce que toi et ton corps peuvent être quand tu travailles avec des autres corps? Quand tu es avec des autres corps, quand tu es avec des enfants, quand tu es avec des personnes autour de toi? Quel espace est-ce que toi, l'être et ton corps peuvent être pour toi, mais aussi pour les autres corps? Yeah. Et combien d'entre vous ont déjà eu la prise de conscience que quand tu es avec des autres corps autour de toi, tout près ou tout loin, ton corps te donne des informations sur les corps autour de toi?
Peut-être en stressant ou en devenant nerveux ou en avoir des intensités. Est-ce que tu demandes à ton corps, c'est quoi ça? C'est quoi ces infos? Ou est-ce que tu conclus que ça fait mal ou que c'est énervant ou que ça doit partir? Et c'est là aussi quand tu commences à faire les processus et à jouer avec ces questions que tu vas peut-être percevoir des autres possibilités avec les prises de conscience que ton corps te donne. Oui, il y a Isabelle qui dit. Donc, The Magic of Embodiment, ce sont des soirées. On va faire 3 soirées à Namur, on va faire 2 soirées à Bruxelles. Dans chaque classe, il y a des autres processus corporels qui vont ouvrir une possibilité différente. Donc, ce que ça crée, en fait, c'est vraiment différent que dans les autres techniques avec Access. Tout est créé pour te donner plus de conscience. Donc, quand on travaille sur un corps, on va rien mettre dedans, on va rien sortir, on va juste permettre au corps avec lequel on travaille et à notre pour découvrir une autre possibilité, pour lâcher des trucs qui sont dans la mémoire cellulaire et pas forcément une contribution, pour que ton corps peut commencer à remember, comment on dit ça? C'est remémoriser? Attends, remémor... Non, attends, il y a Annick qui me dit quelque chose. Tu peux te mute. Un souvenir. Se souvenir, oui. Merci Nadine. Donc ton corps peut commencer à se souvenir de ce qu'il a toujours su. Donc si toi, tu commencerais à poser ces questions qui permettent à toi et ton corps à savoir tout ce qu'il a toujours su, mais peut-être que tu n'as jamais pu savoir parce que ce n'était pas autorisé. Parce que les personnes autour de toi, peut-être, ne te permettait pas d'avoir toutes les prises de conscience. Et partout là, toi, tu as commencé à contracter ton être. Qu'est-ce que ça crée dans ton corps? Donc, une partie de ça aussi, des processus corporels, dans ces classes Magic of Embodiment, c'est aussi, c'est pas que le corps, mais c'est d'aller voir quel espace est-ce que tu peux être avec ton être, pour que tu peux vraiment aussi changer toute réalité. Pour le moment, je suis à Venise, dans la classe Art of Creation. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé aussi comment, comme en étant tout de nous, comment on est beaucoup plus grand que cette réalité. Et que quand on est cet espace, et qu'on fonctionne de là, et qu'on demande à notre corps qui est dans cette réalité de se connecter à tout ce qu'on est, que ça est beaucoup plus facile pour commencer à créer notre réalité et pas être à l'effet de cette réalité. Donc on va faire un petit exercice et peut-être que vous le connaissez déjà, c'est l'exercice d'expansion. Donc tu peux fermer tes yeux ou les ouvrir, c'est comme tu veux. Et peut-être que tu sentiras quelque chose dans ton corps, peut-être pas, parce qu'on va sortir hors du corps en fait. Donc, on va aller au-delà des limitations. Donc, alors, on y va. Tu peux te rendre. Tu vas dans l'expansion et tu te rends aussi grand que la chambre où tu es maintenant. Dans tous les sens. Donc, pas qu'autour de toi, mais aussi en hauteur, vers le sol. Ah, se rappeler. Souvenir rappelé. Alors, tu t'expanses aussi grand que la maison ou le bâtiment où tu es. Aussi grand que le quartier. Dans tous les sens. Alors, aussi grand que la ville. Aussi grand que le pays, dans tous les sens.
aussi grand que le continent où tu es? Et aussi grand que le monde. Et maintenant, tu demandes à ton corps de se connecter avec ton être. Et encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Et comment ça serait de passer ta journée dans cette expansion avec ton corps? Qu'est-ce que ça donne quand tu donnes les barres ou les processus corporels de cet espace? Ça pétille, yeah. Donc une partie de ces classes corps est aussi d'aller voir l'espace qui est possible pour toi. Oh. Qui, je pense que c'est Josiane ou bien... Hop. Ah, c'était Carole. Okay. Quand tu donnes des processus corporels ou quand tu les reçois, est-ce que c'est plus facile de recevoir plus quand tu es dans cet espace d'expansion? Yeah. Et est-ce que c'est quelque chose que tu choisis à tout moment? Ou est-ce que combien de fois est-ce qu'on rend cette réalité plus grand que nous? Et comment ce serait si tu ne serais plus à l'effet de cette réalité? Si ton corps ne serait plus à l'effet de cette réalité, mais que tu commences à vraiment créer ta réalité avec ton corps? Et à demander pour tous les changements aussi à partir de cette expansion. Donc, quand tu poses des questions, est-ce que tu les poses en pleine expansion ou est-ce que tu les poses en général de contraction? Et ce n'est pas une généralité, mais tu peux commencer à demander là quand tu demandes du changement. Par exemple, quand tu veux changer des mal dans ton corps, est-ce que quand tu as mal à ton corps, est-ce que tu vas en expansion ou est-ce que tu vas en contraction? Et alors là, quand tu demandes pour le changement, est-ce que tu le demandes de la part de la contraction? Qu'est-ce qui est possible? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je dois être au choc pour changer, pouvoir changer ceci? Ou est-ce que tu vas d'abord en expansion? Demande à ton corps de se connecter et à poser des questions de là. Oups! Yes! Avec les outils Access, c'est vraiment super pragmatique. Il y a beaucoup de questions, il y a plein de processus corporels. En fait, la tournée va avoir à peu près 50 locations, 50 processus différents. Et aussi une formule de déblayage. Et cette formule va permettre aussi à lâcher des énergies qui se sont stockées dans ton cerveau, mais aussi dans ta mémoire cellulaire. Donc, notre corps, chaque cellule a une mémoire cellulaire. Et là, quand tu commences, en fait, à demander plus de changement, est-ce que tu permets aussi à ton corps de recevoir du changement? Ou est-ce que tu fais les changements en déblayage et est-ce que tu oublies ton corps? Yeah. Qu'est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Ma fille de 21 mois veut absolument faire l'exercice. Yeah! Et combien d'entre nous ont des enfants ou des animaux autour de nous et quand on est en pleine expansion, eux, ils se calment, ils se posent, ils peuvent être tous deux. Et combien de fois quand nous, comme adultes, on va en contraction, où on n'est pas présent, nos enfants autour de nous commencent à créer des... Yes, elle est là, coucou! Yes, donc même les enfants peuvent apprendre les barres, les processus corporels. Et comment est-ce que tu sais si ton enfant veut venir à la classe? Bébé plus grand, demande-les. Même avec les bébés, tu peux leur demander, est-ce que tu veux venir à la classe? Et tu percevras l'énergie. Coucou! J'adore.
Yes. Ah, et même tous les patients en urgence et le personnel, oui. Quand toi, tu choisis pour être cet espace, est-ce que tous les corps autour de toi ont plus de choix pour se calmer et pour être eux aussi? Donc pour tous ceux qui donnent les barres et qui donnent déjà des processus corporels, est-ce que tu reçois aussi pour toi quelques fois par mois? Yeah! Et comment ce serait pour l'avoir, pour le recevoir aussi quelques fois par semaine? Est-ce que ça changerait des trucs dans ta vie? Quand on prend du poids à la place de l'espace, que faire? Ha Yep. Donc, combien est-ce qu'on a aussi conclu que quand tu prends l'espace, ton corps doit prendre la place? C'est l'être qui prend la place. Et ce qui se passe souvent, et je ne sais pas, regarde si c'est léger pour toi, combien de fois quand il y a plus d'espace, donc quand tu prends par exemple une classe Access ou quelque chose d'autre, tu as l'espace et combien est-ce qu'on va alors, oh, tu vas le remplir avec du manger. Donc, une des questions que tu peux demander à ton corps si tu veux changer de forme, c'est en premier lieu, comment est-ce que ton corps veut être dans ce monde? Est-ce que ton corps a une opinion différente que ta tête et tes projections et tes jugements? Donc, combien de points de vue est-ce que vous avez sur votre corps qui ne permet même pas de changer un centimètre? Ha ha ha! Ouh, coucou, coucou, coucou. Et une des choses que moi j'aime jouer avec aussi le poids, est-ce que tu veux changer ton poids ou est-ce que tu veux changer la forme de ton corps? Parce que si tu n'as pas de définition comment ton corps pourrait changer, est-ce que ça va être plus facile? Combien de fois, quand quelqu'un veut par exemple maigrir, est-ce qu'on décide que maigrir, ça veut dire je deviens plus petit? Est-ce que c'est vraiment une question ou est-ce que c'est une conclusion avec un question mark derrière? Donc, en premier lieu, comment est-ce que ton corps veut être? Et partout où tu as les jugements, quand tu poses cette question, quoi, comme ça? Non, bah, pas que pas tout ça. Et alors demander, coucou! Et un sœur Isabelle aussi qui nous ont rejoints. Et si tu fais ça, aussi demander, ok, quoi d'autre est possible? J'aimerais vraiment être, changer la forme. Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que tu veux manger, de quoi as-tu besoin pour que ça peut changer. Mais si quelque chose semble inchangeable, demande aussi quel point de vue est-ce que tu as à propos de ce sujet. Parce qu'en général, c'est les points de vue qui tiennent quelque chose en place qui le rend inchangeable. Si tu n'aurais pas de point de vue, qu'est-ce qui serait possible avec ton corps? Alors, il y a Annie qui dit la forme, je demande à mon corps à quoi il veut ressembler et tout ce qui nous empêche d'y arriver. Yeah. Et la couleur de mes cheveux change. Yeah. Donc, si tu n'aurais pas de point de vue sur comment tu devrais être, comment ton corps doit se former, est-ce que ça donnerait la possibilité à ton corps de se créer comme il veut, et est-ce que ça contribuerait plus à toi et ta vie si tu arrêterais de contrôler ton corps? Est-ce que ça te donnerait plus de joie? Est-ce que ça te donnerait plus d'aisance? Et c'est là vraiment avec, pour moi, quand j'ai commencé à découvrir la magie que mon corps veut être, que mon corps veut contribuer à moi, à mon business, à mes rencontres, dans mes boulots.
Si moi, j'arrête de vouloir le contrôler, de le donner des ordres, comment je veux qu'il est, parce que j'ai décidé que tous les autres trucs ne sont pas bien, là, mon corps veut contribuer à moi, peut contribuer. Et en général, ça donne vraiment des résultats beaucoup plus et au-delà de ce que j'avais pensé possible. Même dans des meetings, avec des personnes que je rencontre. Yeah. Donc, combien de points de vue est-ce que tu as sur ton corps? Que si tu ne les aurais pas, te donnerait la possibilité à changer tout au moment. Donc, une part de cette classe, ce sera question déblayage et l'autre part, c'est être 2 fois 45 minutes à 1 heure sur une table massage, 1 fois pour recevoir le processus et 1 fois pour le donner. Après la soirée ou la journée où il y aura 2 processus, tu recevras un diplôme et aussi... tu peux employer ce processus si tu as un cabinet ou juste en famille ou aussi il y a plein de swaps partout en fait. Donc tu peux, voilà, tu as à nouveau un processus en plus. Et moi, je peux dire qu'en faisant ces processus au moins 1 fois par semaine et parfois 2 ou 3, ça change tellement, 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 tellement pour tout. C'est incroyable. Donc, quelles possibilités est-ce qu'ils sont cachées dans ta mémoire cellulaire, dans ton corps, que si tu commencerais à le demander, ah, pourrait te montrer de la magie. Quand reviens-tu dans le sud, Roque Baron par exemple? Ah, pas pour le moment. Je reviens vers Lyon, en mars. Est-ce que les inflammations dans le corps sont liées à mes points de vue? Est-ce qu'ils sont liés à tes points de vue? Et une des questions que tu peux aussi poser, c'est est-ce qu'ils t'appartiennent? Qu'est-ce que ton corps veut te donner comme information? Et partout où tu as concludé que c'est une inflammation, pokepot. Le truc est quand tu définis quelque chose dans ton corps, est-ce que ton corps va le créer aussi, comme ça? Donc, qu'est-ce qui se passerait quand tu vas faire Pokepot, tous les diagnoses et les conclusions qui sont sur ça, et que tu demandes vraiment à ton corps, est-ce que tu as des informations pour moi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et c'est pas pour dire que ce n'est pas une inflammation, mais si toi, tu n'aurais pas la définition, est-ce que ça donnerait plus de possibilités pour changement, pour le changer? Et regarde si c'est léger. J'ai demandé à mon corps de se connecter lui-même à la conscience de l'univers pour savoir comment il aimerait être. Bizarrement, je sens plus légère. Yes. Quoi d'autre est possible? Oui. Donc vraiment, quand tu vas vivre de cette expansion et demander à ton corps pour se connecter à ça, qu'est-ce qui devient possible quand tu n'es plus à l'effet de cette réalité? Toi, tu n'es pas dans cette réalité. La réalité est en toi, l'être. Yes. Donc, partout où tu essaies d'être dans cette réalité, et c'est pas trop confortable. Quoi si tu commencerais vraiment à voir et poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je suis l'expansion de moi? Et tout ce qui ne permet pas ça, détruire et décrire tout ça. Cette réalité est dans toi, l'être. Tu n'es pas dans cette réalité. Ton corps est dedans. Quand je prends du volume, je constate que c'est Isabelle qui dit ça, que cela arrive au moment
où l'énergie, argent, difficultés financières de cette réalité sont très présents, même si cela n'a rien à voir avec moi. Bah, moi, j'ai remarqué à... Ainsi, même si je veux rassurer, mon corps semble me protéger. J'ai une barre de protection. Yeah. Et en anglais, on dit aussi avec le poids, ça s'appelle weight. Et une question que tu peux jouer avec, c'est what are you waiting for? Qu'est-ce que tu attends? What are you waiting for that creates the body weight? Donc, qu'est-ce que tu attends qui crée le poids? Qui crée ton poids? Bah, si tu choisirais plus de fun dans ta vie, je dirais. Plus de fun avec ton corps. Qu'est-ce qui est fun pour toi et ton corps? Qu'est-ce qui est possible? Juste en faisant le choix. Le fun, c'est sortir et danser, manger sans me casser la tête. Hein. Yep. Et quoi si tu choisirais même... l'énergie? Quoi si tu serais... Ouais. Choisirais juste l'énergie, même si ça ne veut pas dire less act. Donc, combien de points de vue est-ce que vous avez sur avoir le fun? Merci. Donc voilà, la joie, the magic of embodiment, la joie avec ton corps, la voix de ton corps, ça commence la semaine prochaine dans la partie française. Donc, mercredi Namur. Et la semaine d'après, on part pour Bruxelles et Namur. Donc, si vous êtes tout prêts. Et je vais poster aussi un lien avec ou une liste avec toutes les classes les jours qui viennent. Comme ça, vous pouvez voir. Et je dirais aussi, choisis où ton corps veut aller. Donc, chaque classe sera un processus différent. Donc, même si tu t'es dit, j'aimerais être là deux soirées ou trois soirées, c'est possible, les soirées seront tout à fait différentes, comme il y aura des personnes différentes, un processus différent, des questions différentes. Donc, par soirée, c'est 50 euros. Pour une journée, c'est 100. Donc, quoi de très possible pour ce prix, pour toi et ton corps? Et quelle contribution est-ce que ça peut être pour ta vie, mais aussi peut-être pour ton business, pour ta famille, pour ton corps? Donc, ah voilà, il y a déjà les dates là. Le 13 de Bruxelles, 7, 14, 21 Namur, Lille, c'est le 1er avril, ce n'est pas une blague. Et la Belgique et les Belges. Yeah. Ah, merci. Quand on était dans le sud vers Cannes. Ah, Cannes n'est pas encore sur la liste. Quoi d'autre est possible là? Donc, il y a encore quelques dates qui sont libres avant demi-avril. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter et à voir quoi d'autre est possible. Donc, de toute façon, ça commence la semaine prochaine à Namur et la semaine d'après à Bruxelles. Donc, je vous ferai une grosse bise de Venise. Je vous souhaite une super soirée et qu'est-ce qui serait fun pour toi et ton corps ce soir? Et même si tu ne peux pas la créer parce que c'est impossible, non, c'est 10 secondes pour, par exemple, aller au sauna ou sortir pour danser, est-ce que tu voudrais recevoir la réponse que ton corps te donne? Et juste être dans cette énergie à l'écoute pour quelques minutes. Être à l'écoute de ton corps. Même si tu ne peux pas créer directement, être à l'écoute peut créer une différence énorme. Yes. Alors, merci à tout le monde aussi. Merci Annick, merci Isabelle, merci Ansar, merci Chantal et les autres hosts qui sont ici, Sarah, et je pense qu'il y en a encore quelques-unes. Donc, si vous voulez, je vais partager ça dans le groupe aussi. Et comme ça, si vous connaissez encore des personnes qui auraient peut-être du plaisir à nous rejoindre, soyez les bienvenus à partager et à leur inviter pour un des événements ou les prendre avec vous. Merci pour cette soirée et passez une bonne soirée. Ciao. Bye. Merci. Ciao.